la télé sur RTL1 ce soir. On pense à toutes les mamans du monde qu'on embrasse très fort et à qui on souhaite longue vie, plein de bonheur. Et on a envie de commencer parce que la vie est belle avec de la musique. Bougez un tout petit peu, bougez avec beaucoup de bonheur sur le plateau de la télé. Mais bon, c'est votre instant. Yakou Guerrera, hommage à toi, président Duxaga. Venez, venez danser. Juste un combo, la Côte d'Ivoire, le soir, l'Afrique, ça va chauffer. Yancy le pain. On fait ça, mais on t'envole. Ici, c'est la zone de Gaulle. Lui qui néglige les barres. Oui, madame. Regardez comment on maîtrise le vrai. Tous les drapeaux sont levés. Africa, on est légère. On est toujours debout, on n'est jamais fait. Magui Dola de Los Angeles. Junior Dola. Tu à la balade du Paya. Lucas est facile fiable. Emery Quadro le ballon d'or. Chuka, 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 Chuka. Y'a pas état d'esprit, hein. On est venu pour gagner. Surtout très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour attaquer cette huitaine. On embrasse toutes les mamans du monde et on le dit avec le cœur. Merci beaucoup pour tous les sacrifices consentis, pour ce que vous représentez aussi dans nos vies. Il y a d'ailleurs une maman bien cachée aussi derrière chacun de nos invités ce soir. Il y a une grosse ambiance. Et on va passer un très très bon moment ensemble, mesdames et messieurs. Je tiens à vous signaler que toutes ces valeureuses, chaleureuses et ambianceuses de mamans que vous avez entendues appartiennent à une association qui est la Société Coopérative Agricole Tabita Côte d'Ivoire, SOCATSI. Ce soir, autour de la table, mesdames et messieurs, nous avons des invités exceptionnels. Lorsqu'on a annoncé sa participation à cette émission, il y a eu un énorme engouement sur la page, un énorme flux, parce qu'il est désormais la vedette, la nouvelle star de notre pays, une star très smart, très intellectuelle et surtout qui nous a fait honneur. Je suis très heureux de vous présenter sur le plateau d'Allume la télé le charmant, le sympathique, le brillant, le pétillant champion du monde de football de concours de PSG 2024, Mekoum Noévan Samuel. Bonsoir Samuel, comment ça va? Je vais bien. En très bonne forme. Oui, je suis en bonne forme. Malgré la maladie, je lutte pour être en bonne santé. Super. Samuel, merci beaucoup d'avoir fait à Allume la télé l'honneur de répondre à notre invitation. C'est vrai que tu as beaucoup tourné ces temps-ci, donc tu as un petit coup de fatigue. Oui. Mais lorsqu'on t'a invité, tu as dit « je viendrai à l'émission oui. ». Et tu t'es renforcé avec des petits cachets pour être là. On apprécie énormément. Merci beaucoup, mon Samuel. On va parler de ton aventure au concours de l'été PLG 2024 dans la suite de cette émission. PGL. Mais avant, pardon ? PGL. PGL, pardon, merci. C'était un lapsus. PGL 2024, ça a commencé le génie, voilà. PGL 2024, merci beaucoup, mon ami.
Et à côté de toi, nous avons d'autres invités. C'est M. Il Baba. Il Baba, vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, sous-directeur à la direction de la pédagogie et de la formation continue. Vous avez accompagné notre champion du monde durant tout son voyage au Canada. Et donc, vous avez forcément des infos croustillantes pour nous, des anecdotes. Mais surtout, vous avez toute la philosophie du ministère autour de ce projet. Bienvenue à vous. C'est avec des ovations qu'on vous salue. Merci. Quand je le fais pour nous. On prolonge la fête d'hier, donc bienvenue, chère maman, vous l'êtes bien sûr, Madame Koulibaly Waoui Yvette, vous êtes professeur de français en charge du suivi évaluation à la direction de la pédagogie et de la formation continue DPFC. Vous faisiez partie aussi de la délégation qui a accompagné nos candidats ivoiriens à cette compétition internationale de dictée. Nous vous accueillons avec une chaleur d'ovation. Et avant que vous nous donniez toutes les nouvelles, on vous donne, nous, les nouvelles d'ici, les nouvelles des JT du monde entier. C'est dans le journal des JT qui va arriver peut-être plus tard. Mais en attendant, voici tout de suite notre correspondant qui est donc au Togo et qui nous propose une immersion, un coup de projecteur dans l'activité phare du FESMA, la foire gastronomique qui a réuni des chefs cuisiniers du Togo et de la sous-région. C'est signé Lorenzo Keleki. Bonjour Jean-Michel Onin et bienvenue dans ce numéro du Togo. Nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, le Festival international La Marmite a bel et bien tenu toutes ses promesses. L'ouverture officielle de l'acte 3 du FESMA a été faite le 15 mai à Lomé sous le thème « Les enjeux de la transformation agricole et de la valorisation des produits locaux ». Nous allons dans cette balade télévisuelle du 2-8 faire une immersion dans l'activité phare du festival, la foire gastronomique. Qui était là? Qu'ont-ils apporté ou exposé? Allons faire plaisir à nos yeux, tiens. Le coup d'envoi officiel du FESMA 3 a été donné par la ministre en charge du commerce, Rose Caïmivédor, qui a ensuite fait le tour des stands. Démarré le 15 mai 2024 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, le FESMA réunit également les restaurateurs, producteurs agricoles, transformateurs et industriels, tout en mettant en lumière les produits locaux, notamment les délices culinaires des 5 régions économiques du Togo. L'initiative portée par Jean-Paul Agbo enregistre la participation d'une centaine d'exposants et de chefs cuisiniers togolais africains de renommée internationale. Cette troisième édition, on a beaucoup amélioré des choses, surtout les plats qui sont assez gras. Nous les avons améliorés par nos astuces. À Lomé, nous avons réservé comme plat épamba, c'est-à-dire le purée de poisson, mais poisson petit silure. Et dans la région de la Cara, je veux dire, nous avons réservé un plat qui était en train d'être en perdition. Ce plat s'appelle Yuma Tombolo. Yuma Tombolo veut dire foufou des esclaves. Le FESMA, pour moi, le FESMA représente ce mijoté de cuisine africaine où chaque épice représente un pays. Et chaque épice, comme vous le savez, apporte une texture et saveur. C'est la troisième édition et c'est la troisième fois que je suis là. J'ai apporté du Gabon, une partie de chaque région du Gabon. Et j'ai ramené de l'Odika, par exemple. L'Odika, c'est une amande sauvage et qui se fait torréfier, qui est très bonne. Et ensuite, j'ai ramené de la pâte d'arachide, du beurre de cacahuète qui vient tout droit de mon village. Sur le FESMA, cette année, on a décidé de faire les choses autrement parce qu'on est à la troisième édition. J'y étais à la première et la seconde. Maintenant, cette fois-ci, on a beaucoup plus travaillé sur le style de l'art. Parce que d'abord, avant tout, nous sommes des artistes, malgré qu'on est des cuisiniers. Donc, si tu prends par exemple un repas chez moi qu'on appelle Bumio, moi, je l'ai authentifié autrement pour pouvoir quand même l'apporter à table. Donc, ici, ce que moi j'ai fait, j'ai travaillé le Bumio, j'ai travaillé aussi les légumes de chez moi qu'on appelle Goma et autres. Comment valoriser aussi les tubercules. FESMA, cette année, a été étoffé. La première édition était autre, la deuxième également, mais cette fois-ci, j'ai vu que FESMA est en train de grandir. Bon, le produit que j'ai ici, ça s'appelle en langue locale du Wassa Wassa, que nous appelons aussi couscous africain. Je pense que c'est préparé à base de l'igname à 100%. Tout s'est fait localement ici. Bon, la consommation se fait à base de... Ça peut être la sauce de ayimolu que nous avons. Ça peut se consommer par le piment poudre et de l'huile. De l'huile torréfiée avec l'oignon. Voilà, ça c'est une liqueur faite à base de souché et du sorabi. Notre liqueur naturelle. Voilà, donc c'est comme un whisky crème. C'est un goût appétissant. C'est un aphrodisiaque également.
Et puis, c'est très riche également en sels minéraux. Ça, c'est un antibiotique et puis aphrodisiaque, parce que c'est fait à base de gingembre et puis le clou de girofle. Nous tous savons que le clou de girofle, c'est un antibiotique. Donc, voilà, nous voulons vous donner de l'appétit. Également faire digérer vos aliments. Donc, consommez tout simplement, vous n'allez pas regretter. Les visiteurs venus de divers horizons ont pris du plaisir à découvrir ou à redécouvrir les mets d'ici et d'ailleurs. Et c'est cela même l'objectif du FESMA. Quand je suis arrivée sur le site du FESMA, j'ai découvert beaucoup de plats culinaires africains, togolais. Surtout, j'ai goûté à beaucoup de plats. J'ai goûté à Blo. Je ne connaissais pas, mais quand j'ai goûté, bon, j'ai aimé. Bon, j'ai eu à voir des danses africaines de la région de Kara. C'était bien, c'était intéressant. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des chefs et tout et tout. Bon, c'était intéressant. Il y a plein de stands de nourriture. Alors, j'ai découvert plein de pays, plein de produits régionaux, entre autres la poudre de baobab et de moringa. Et ensuite, on a dégusté un plat, le niatou accompagné de riz. Et ben, de découvrir les produits régionaux, de savoir ce qui était produit au Togo, voilà, entre toutes les épices, entre les différents produits, les différents jus naturels. Cette troisième édition du FESMA, indique-t-on, marque une étape importante vers l'inscription d'un ou de plusieurs mets togolais au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Elle s'inscrit également dans la vision de faire de Lomé la capitale de la gastronomie africaine. Lorenzo Kelekit depuis l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé pour Allume la télé. Lomé a vécu ce plan dans l'actu avec le triomphe de Trekoum Loïvan Samuel, ce jeune garçon qui a fait honneur à tout un pays en décrochant la première place mondiale au concours de dictée internationale PGL 2024. Samuel, toute la nation en ce moment est très fière de toi, est en admiration. Il y a énormément de messages sur les réseaux sociaux, de félicitations. Quel sentiment encore une fois, au nom de toute la télévision ivoirienne, de la RTI et aussi de la production d'Allume la télé, nous te marquons, nous te démontrons notre grande fierté aussi. Félicitations, bravo encore pour ce que tu as réalisé pour ton pays. Et on a encore cette image-là avec le drapeau ivoirien sur toi et bien d'autres choses dont on va parler dans cette émission. Alors, quel sentiment tout cela te procure ? C'est un sentiment de joie et de fierté d'avoir rendu mon pays ainsi que toute l'Afrique fière de ce résultat que je dédie au chef de l'État. Ah, c'est génial ça. Samuel, parle-nous de ta première fois. C'était ton premier séjour au Canada. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a impressionné? Avec quel souvenir tu reviens? Le Canada est un beau pays. Mais malheureusement, vu que j'avais mon examen d'entrée en sixième, je devais retourner au pays d'urgence. Donc tu n'as pas eu le temps? Mais je n'ai pas eu le temps de visiter. Mais hormis cela, j'ai eu le bonheur de revoir ma tante, mes cousins et mon grand frère. Et la Fondation Paul Girard La Joie et les encadreurs étaient très accueillants, sympathiques et disponibles. Et je les ai beaucoup aimés. C'est génial ça. Alors, si j'entends bien, tu as de la famille au Canada? Oui, j'ai de la famille au Canada. Ah d'accord, c'est top ça. Donc c'était une occasion de retrouvailles aussi avec les tiens. Oui, c'est ça. D'accord. Samuel, encore bravo à toi. Toutes nos félicitations, ça a été un moment émouvant. On t'a vu lors de la proclamation des résultats à la finale, verser des larmes. Qu'est-ce que tu avais dans la tête lorsque tu as fondu en larmes ce jour-là? Je pensais... Déjà, j'étais heureux pour moi-même. Ensuite, je pensais à mes parents, à toute ma famille. Je pensais également à mes amis qui m'envoyaient chaque jour des messages d'encouragement et de soutien. Je pensais à mon école, à mon enseignante, Madame Zoku Prudence, ainsi qu'à toute la Côte d'Ivoire. Oh, c'est génial. Il aime beaucoup son pays. Allez, Samuel, chers invités,
Car public, je vous propose de retrouver ce moment fort, ce moment de sacre et de triomphe pour notre champion du monde de dictée 2024. La personne qui est en première place de cette grande finale pour les classes de français langue seconde, il s'agit de Léovan Niels Samuel Marie Krekoum, école Le Petit Royaume de Côte d'Ivoire. C'est très émouvant ce moment. C'était un moment incroyable. Très incroyable. Magique. C'était magique ce moment. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je sens que tu larmoies un peu quand tu revois ces images. Moi, un peu, hein, parce que bon, c'est pas permis à tout le monde de gagner ce concours. Hein, mais c'est une fierté de l'avoir fait. Et j'en suis très content. Bah, nous aussi, on est très, très fiers de toi. Très, très fiers de toi. Alors, le jour de la finale, de quoi parlait cette dictée? C'était quoi le thème de la dictée en question? Pour répondre à cette question, le thème de la dictée, c'était le leadership des enfants qui s'étaient rendus disponibles pour aider des enfants réfugiés climatiques afin de leur donner une nouvelle place dans le pays d'accueil. Aussi, les phrases de départage parlaient des égalités des chances et de lutte contre les discriminations. Mmh. Et à cette finale, combien tu as décroché comme note? J'ai fait un 100 faute. Un 100 faute? Oui. En d'autres termes, on aurait dit un 20 sur 20. Bravo. Merci. Mais c'est exceptionnel ça. Tu as battu un record en faisant un 100 faute à un tel concours, une telle compétition de ce niveau-là. Mmh. C'est une grande première. Et... mon cher Samuel, on a envie de savoir, mais comment tu t'es préparé à ça? Comment tu as préparé ce rendez-vous? Déjà, pour me préparer, je fais beaucoup de lectures. Mes parents m'ont aidé à maîtriser, à réviser les règles de vocabulaire, d'orthographe, de conjugaison, de grammaire. Et je fais des dictées sur différents sites, y compris le site de la Fondation. D'accord. C'est génial, ça. Est-ce que tu as le temps de t'amuser? J'ai l'impression que tu es un garçon très studieux, qui passe plus de temps à lire, à bosser, à étudier. Bon, je m'amuse, mais vu que j'ai, depuis quelques temps, j'ai un emploi du temps assez chargé, donc je n'ai pas le temps de beaucoup m'amuser, mais bon, c'est juste un petit moment, et après, bon. On retrouve le plaisir après. Alors, monsieur Ili Baba, vous êtes inspecteur général, vous avez accompagné ce jeune champion oui. Pendant ce périple canadien. Tout à fait. Qu'est-ce que vous, en tant que, je dirais, encadreur, accompagnateur, mais aussi représentant du ministère du tutelle, qu'est-ce que vous avez vécu avec lui? Est-ce que vous avez des anecdotes, des moments qui vous reviennent? Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais signifier que ce résultat montre que notre sélection au niveau du pays a été vraiment rigoureuse. Tout à fait. Elle est crédible, elle est fiable. C'est ce qui nous a permis, n'est-ce pas, de miser vraiment sur le meilleur cheval, le bon cheval, et d'avoir ce résultat qui fait la fierté de notre pays. Il n'y a pas de tricherie, c'est clair. Celui qu'on a choisi est vraiment le meilleur en Côte d'Ivoire. Il a été le meilleur vraiment sur le plan mondial. Et il y a tout un processus de sélection absolument. Avant d'arriver à cette finale canadienne. Tout à fait, absolument. Depuis le 18 décembre 2023, nous avons commencé les présélections dans les différents établissements. Et je voudrais dire que toutes les écoles, tous les établissements du secondaire participent à cette compétition-là. Nous avons commencé en 2021, c'était la phase pilote. Ensuite, en 2022, nous avons fait la phase d'extension. Et maintenant, nous sommes à la phase de généralisation, vu l'engouement vraiment des personnes. Parce que les gens venaient nous voir, pourquoi pas notre école, pourquoi nous on a été... Donc, on a étendu à tout le monde. D'ailleurs, ce qui nous a valu vraiment la palme d'or là-bas, parce que ceux qui ont participé étaient autour de 2,5 millions d'élèves en Côte d'Ivoire.
C'est un record vraiment jamais vu. Deuxièmement, notre système, notre façon d'organiser a épaté, n'est-ce pas, le comité d'organisation qui a pris note et qui a prévu, n'est-ce pas, qui a promis étendre cela à tout le monde. Et lorsque les résultats sont sortis, nous étions premiers, suivis du Maroc, et après, c'était maintenant le Canada. Alors, la délégation guinéenne est venue nous voir et dit, mais ils ne comprennent pas. Non seulement vous organisez la meilleure carne, vous prenez la Coupe d'Afrique. On se déplace très loin encore d'ici, l'Afrique, pour nous prendre la Coupe. Et il y a aussi le Maroc toujours à côté de nous. Ils me disent, mais ils ne comprennent pas ça, c'est la colonisation, vous voulez nous coloniser ou quoi? Le Sénégal qui vient nous voir, mais qu'est-ce qui se passe entre vous et le Maroc? Vous êtes toujours collés, vous deux là. Parce que la Côte d'Ivoire première, le Maroc deuxième. Le Maroc deuxième. Et le Canada en troisième. Alors là, pour la petite histoire, les parents étaient à côté, les adultes étaient à côté, ils avaient le même support que les enfants. On devait faire la même dictée. Après quelques temps, j'ai vu plein de parents plier leurs feuilles et mettre la feuille dans la bouche. Parce que là, c'était compliqué maintenant. C'était pas donné à tout le monde. Uh-huh. En tout cas, on était très fiers. Lorsque le résultat a été donné, on a brandi vraiment le drapeau de la Côte d'Ivoire. Qu'ils ont gardé là-bas d'ailleurs. C'est ça. Alors, est-ce que Trekoum, est-ce que Samuel est le premier Ivoirien à avoir remporté cette compétition de toute l'histoire de ce concours? Oui, nous sommes à notre troisième participation. Mais la compétition, le concours même, est à sa 33e session. D'accord. Je voulais dire qu'à la toute première participation de la Côte d'Ivoire, nous avons un deuxième. Deuxième mondial qui était le petit Mohamed qui venait d'un établissement de Cocody. La Côte d'Ivoire participe à ce concours international de dictée depuis 2022. Oui. Donc 2022, 2023. 2021-2022, voilà. Nous sommes à notre troisième participation. D'accord. Voilà. Donc à la première participation, on a eu un deuxième mondial. Oui, un deuxième mondial. OK. Et l'année d'après? L'année d'après, bon, mais vous savez, après le premier, deuxième et troisième, on ne classe plus les autres. OK. Donc, bon, on était dans la mêlée. Okay. Mais j'avoue que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sélection est tellement rigoureuse. D'abord au niveau des écoles primaires, les meilleurs se rencontrent en IEP. Les meilleurs vont se rencontrer, n'est-ce pas, au niveau de la région. Et après, les régions se rencontrent, les 41 régions se rencontrent à Yamoussoukro. Et c'est là qu'on choisit vraiment les deux meilleurs qui vont nous représenter au niveau international. D'accord. Donc cette année, il n'y avait pas que Samuel seul à la finale. Il y avait aussi une autre candidate ivoirienne. Oui, il y en avait deux. Il y avait Maryse qui était là, qui était d'ailleurs à la sélection nationale à Msekoro, la première, et lui était en deuxième position. Ah, d'accord. Sur le plan national, il était deuxième. Deuxième. Et il s'est retrouvé premier mondial. Finalement. Et arrivé, il a renversé la vapeur. Ah. Alors, il y a un truc qui me fait sourire sur Samuel, c'est que c'est un garçon qui sait se venger. Je mets ça en griffe. Absolument. Il sait se venger, et j'ai une bonne raison de le dire. Oui. On va regarder cette vidéo qui justifie la raison pour laquelle il a participé à ce concours, et on revient pour en parler. À ma grande sœur qui deux ans plus tôt a participé à la dictée PGL, elle avait terminé cinquième à la finale nationale. Et je me dis que j'allais la manger et c'est oui. Samuel, tu l'as bien mangé. Tu as participé à ce concours pour venger ta grande sœur. Le petit frère qui va venger la grande sœur. Ça, c'est exceptionnel quand même. Vraiment. Et tu l'as fait. Je l'ai fait. Pourquoi cette motivation? Qu'est-ce qui te poussait à le faire? Pourquoi vouloir venger sa sœur? Déjà, je voulais venger ma sœur parce que je voulais la consoler en portant haut le nom de ma famille et en même temps le nom du pays. Il est très conscient de la dignité, du nom de la famille, du nom du pays. Et si je peux ajouter, la dignité PGL participait à ce concours. C'était un challenge que je m'étais lancé depuis que ma grande sœur a participé. Je me suis dit que peut-être je pourrais participer et j'ai été sélectionnée. Et ta grande sœur, elle avait participé à la quelle année? Parce que ça fait 3 ans de participation pour la Côte d'Ivoire. Elle a participé à la première participation. D'accord, donc en 2022, si ma mémoire est bonne. 2021-2022. D'accord. Mais maintenant que tu l'as vengée de la meilleure des manières et que la bonne nouvelle est tombée, comment est-ce que ta grande sœur a accueilli la bonne nouvelle du sacre du petit frère? Elle était très contente et elle était très fière et elle était très émue. Elle a même pleuré. Et ça m'a vraiment touchée. De voir qu'un
petit frère pour respecter une parole. C'était pas vraiment évident, mais je l'ai fait. J'en suis très content. Il le dit avec une certaine sérénité, tu vois, le grand garçon. Mais c'est bien, Samuel. Alors, je me demande, comme beaucoup d'Ivoiriens, qu'est-ce qu'on gagne à cette compétition? Est-ce que tu veux nous répondre ou tu souhaiterais que je pose la question à côté? Bon, je vais répondre à la question. D'accord, tu assumes. De dire les prix? Oui. La fondation m'a offert une bourse de 2000 dollars. Une bourse de 2000 dollars? Une bourse d'études de 2000 dollars. D'accord. Elle m'a également offert un logiciel de correction appelé Antidote. Antidote, un logiciel de correction, d'accord. Et il m'a offert également des ouvrages des yeux pour m'aider à me divertir. C'est génial ça. Et à te cultiver aussi. Avec cette bourse de 2000 dollars, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas en faire? Est-ce que ça te permet d'étudier en Côte d'Ivoire ou dans un pays précis? Je n'ai pas encore d'idée, mais ce que je sais, c'est que je me suis déjà dit que je vais prendre cet argent pour investir dans mes études. D'accord. Peut-être pour étudier quelque part d'autre. Ouais. De toute façon, avec les parents, vous allez vous entendre? Vous accorder On va s'entendre. On va essayer de s'entendre. C'est clair. Est-ce que tu es d'accord si on se fait une petite pause publicitaire, commerciale? Ok. On lance la pub? Avec les applaudissements de ces valeureuses mamans. Est-ce qu'on va la remercier à vous mettre là-dessus? Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Slam. Libertamor aux antipodes en cassant les codes. Clame de toute ton âme. Réclame et brille de mille flammes. Choisis la couleur qui te charme et lance le mouvement slam. Sois de celles et de ceux qui s'imposent, qui osent prendre le présent en main et tracer le chemin vers demain. Rejoins-moi en faisant slam au calme. Choisis ta couleur. Slam, ton nouveau parfum. Autre plateau, nous continuons cette émission en compagnie du champion du monde de l'équipe PGL, notre jeune Ivoirien brillant, pétillant, sûr de lui-même et qui garde toujours le sourire, qui est habillé ce soir comme un golfeur. Je vais me dire s'il aime bien le golf ou s'il pratique d'autres sports. Je pratique beaucoup de sports. Ouais. Mais je pratique aussi le golf. Vu que j'ai pas de vrai d'équipement pour faire le golf, vu que j'ai un jardin, parfois je creuse des trous, je prends une balle et je prends quelque chose. Tu crées ton propre univers, oui, de golf, quoi. Oui. C'est génial. Ok. Madame Koulibaly, Waoui, Yvette, c'est le type d'enfant que toutes les mamans rêvent d'avoir. Tout à fait. Décidément. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté du ministère de l'Éducation nationale derrière ce projet et relativement à la dictée que vous allez forcément partager avec nous. Oui, tout à fait. Comme vous le dites, c'est une joie, une satisfaction que toutes les mamans rêvent de vivre. Et au sein du ministère, en particulier au sein de la direction de la pédagogie et de la formation continue, c'est une grande satisfaction pour nous d'organiser ce concours de dictée PGL qui permet à nos apprenants de concourir et d'évaluer en même temps leurs compétences au plan mondial. Et ce sacre que nous a rapporté le jeune Kréko est un honneur et un encouragement aussi que nous voulons donner à nos apprenants et surtout à toute la chaîne d'encadrement. Le sous-directeur l'a dit tout à l'heure, les phases de présélection se font déjà dans les écoles, dans les classes,
Et nous voulons montrer à travers ce sac que c'est une réalité. Quand on travaille bien, on est récompensé. Et nous les encourageons à persévérer, à toujours œuvrer pour l'amélioration des apprentissages fondamentaux, notamment la lecture et l'écriture. D'accord. Au terme de ce sacre qu'a réalisé Samuel, est-ce que le ministère de l'Éducation nationale se propose de suivre de près l'enfant, de lui apporter un certain accompagnement pour la suite? Est-ce que vous avez des engagements particuliers vis-à-vis de Samuel Krikoum? Tout à fait. Déjà, il a été reçu par Madame le ministre, le professeur Mariatou Koné, qui lui a offert aussi des présents. Et nous avons cette habitude de suivre nos meilleurs. Et donc, Madame le ministre a le regard sur le petit Krikoum. Krikoum, Samuel, ces derniers jours, tu as carrément réalisé un marathon de rencontres, un peu comme un homme d'État. Tu as rencontré Madame le ministre de tutelle, tu as rencontré le maire de la commune de Cocody et bien d'autres personnalités. On va voir ça en images et on revient en parler, ici en plateau. Ma fierté d'être ivoirien est encore plus grande et me motive à donner le meilleur de moi-même afin de m'inscrire désormais au nombre des ambassadeurs de l'excellence. Bravo Samuel. Tu sais, en regardant ces images, je pensais à quelque chose. Je te voyais un peu comme un chef d'État en visite officielle avec tout un cabinet qui te recevait, tu saluais, et la fanfare aussi derrière. C'était particulier ça. C'était très particulier. Et je te voyais aussi chuchoter à l'oreille de Madame la ministre, également de Monsieur le maire de la commune de Cocody. Qu'est-ce que tu leur disais? Je leur ai exprimé ma gratitude de m'avoir reçu. Et c'est pour ça que je leur ai chuchoté à l'oreille. Parce que je leur ai exprimé ma gratitude et ma joie d'être à cet endroit, ces endroits. D'accord. Gratitude et joie, ça a été aussi les sentiments qui ont animé tous ceux qui t'ont accueilli à l'école. Parce que tu as fait un retour triomphal aussi dans ton école. Tu as été porté au dos. Et sans commentaire, on suit. Bravo Samuel. Bravo. Tout d'abord, c'était qui la personne qui te portait au dos? C'était une maîtresse de maternelle. D'accord. Elle s'appelle Madame Désirée. Ok. Et puis, on a aussi aperçu lors de la grande finale, c'est vrai que je fais une rétrospective, mais c'était qui la personne qui t'avait lancé ou le drapeau ivoirien que tu as finalement porté aux épaules? C'est mon père qui me l'a lancé. Ah, c'était papa? Oui. Papa t'avait accompagné au Canada pour le concours. Tu as une famille qui te soutient, qui t'accompagne dans tous tes grands moments? Oui, moments joyeux comme dur. Pour confirmer cela, il y a maman qui est là ce soir. Elle n'a pas voulu, certes, s'asseoir sur le plateau, mais elle a dit « je vais rester là et suivre mon fils de loin ». Donc on embrasse maman qui est derrière les caméras. Et tu fais un formidable boulot. Samuel, est-ce que tu as du soutien scolaire? Est-ce que tu travailles avec ce qu'on appelle à Abidjan un répétiteur, un maître de maison? C'est comme ça qu'on le dit ici. Bon, pour répondre à ces questions, je n'ai ni répétiteur ni soutien scolaire. Quand je travaille avec mes parents quand c'est nécessaire,
Mais généralement, je suis autonome et je travaille tout seul. Ah, t'es fort. Je vais te poser une question. Regarde-moi droit dans les yeux, Samuel. Est-ce que tu es un enfant normal? Oui. Non, oui. Sois franc avec moi. Oui, Samuel, est-ce que tu ne serais pas un génie? En toute humilité, je ne me qualifie pas génie. Je suis un enfant normal, sauf que j'aime beaucoup travailler. Tu es sûr que tu n'es pas un autiste? Non. Non. Je ne suis pas un autiste. Tu n'es pas un extraterrestre? Non. D'accord. Et Samuel, qu'est-ce que tu rêves de devenir plus tard? Plus tard, j'aimerais devenir directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il a de grands rêves, hein? Monsieur Ili Baba, ouais. L'ambition de ce garçon est claire. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Une réaction? Vous avez une bonne nouvelle pour lui, peut-être? Ben, juste vraiment dire qu'il sait vraiment ce qu'il veut, et c'est ce qu'on souhaite. Lorsque très tôt, l'apprenant, l'élève sur nous sait vraiment là où il va, c'est vraiment encourageant. Et je crois que nous avons reçu aujourd'hui une invitation déjà de cette grande institution. C'est une bonne nouvelle pour toi. Qui souhaite le rencontrer et déjà lui montrer les infrastructures qui existent afin de l'encourager fortement à atteindre son objectif. Alors, pour faire simple, l'OMS a appelé aujourd'hui pour inviter Samuel, ça va être avant la fin de la semaine, dans ses locaux pour une visite, une rencontre avec aussi les patrons nationaux de l'organisation. Samuel, franchement, tu es sur un nuage. Marche tout droit avec la réalisation de ton rêve. Bah écoute, on est très très fiers de toi et je sais que vous avez un mot, hein, à cette occasion, M. Ili Baba, toujours au nom du ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait. Je voudrais au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dire merci à tous les partenaires du système éducatif qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cet important concours. Je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel à toutes les personnes physiques et morales afin qu'il y ait une grande mobilisation autour, n'est-ce pas, de ce concours-là, qui permet d'avoir une saine émulation entre les enfants et que cela soit vraiment adopté par tout le monde et que chaque année, d'année en année, comme l'enfant lui-même l'a souhaité, nous soyons toujours à la grande place du monde entier. Tout à fait, toujours des champions. Madame Koulibaly, Yvette. En tant que maire, mais aussi en votre qualité, représentant le ministère de l'Éducation nationale à votre poste, qu'est-ce que vous souhaitez partager avec nous? Je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous nous donnez. Ce que je voudrais dire, c'est que la dictée est un outil d'évaluation de l'orthographe. Et lorsque la dictée est administrée régulièrement à un enfant, elle lui permet d'acquérir plusieurs compétences linguistiques. La capacité d'écoute, la compréhension, elle lui permet de savoir écrire correctement en français. Et cela développe en lui, comme vous voyez à travers le petit cricon, cette aisance de pouvoir s'exprimer à l'oral en français, parce qu'il a appris à écrire sous la dictée de quelqu'un. Cela développe plusieurs aptitudes. Et en tant que membre du comité de pilotage, en tant qu'enseignante, je voudrais, avec le retour de la dictée classique dans les classes du primaire, je voudrais exhorter les maires et tous les parents à la maison à administrer, ne serait-ce qu'une fois par jour, une phrase, deux phrases, pour permettre à l'enfant de s'exercer et d'ouvrir en lui toutes les potentialités que les enfants ont déjà en eux. Voilà ce que je voulais dire en tant que mère et aussi en tant que responsable en charge du suivi, évaluation, la direction de la pédagogie et de la formation continue. Merci beaucoup, Madame Koulibaly, Yvette. Et puis, il serait très important d'ajouter que Samuel n'est pas que brillant en français ou en dictée. Il a remporté cette année un concours
qui est, c'était, je crois que c'est un concours de mathématiques, d'après ce que j'ai appris, qui était organisé dans tout l'IEP, de Cocody Blocos, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc c'est le meilleur élève en mathématiques. IEP à Tauban. À Tauban, d'accord. Donc excellent en français, en dictée et brillant en mathématiques. Franchement, il est complet. Bravo, mon cher Samy. Samuel, la production d'Allume la télé a un cadeau pour toi qui va arriver maintenant. Ah. Voilà. On a un gros paquet. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors Samuel, je vais te le remettre. Voilà. Pour te féliciter, parce que tu as honoré notre pays. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et bonne continuation, cher frangin. Voilà. Nous avons des cadeaux, pas que pour Samuel, mais aussi pour toutes les mamans ce soir. Donc nous allons dans un petit moment procéder à un jeu. On va jouer ensemble. On va surtout voilà, vous poser des questions, vous soumettre à quelques épreuves. Et puis vous... des questions ? Oui, mon cher Samuel. Les invités peuvent jouer ? Oui, pourquoi pas. Allez, mon cher Samuel. Chers invités, oui. Voilà, Samuel a obtenu de la participation, votre implication dans ce jeu. Allez, voici ce qu'on va faire. On va procéder par un quiz musical. Chère maman, vous suivez très bien. On va vous donner, dans un premier temps, des extraits de chansons. Ce sont des chansons qui font, qui donnent, on va dire, qui font hommage aux mamans. Vous allez devoir trouver soit le titre de la chanson ou l'auteur de la chanson. Ah ouais. Celui qui nous donne, ou celle qui nous donne une bonne réponse, repartira avec un joli cadeau. C'est clair? D'accord. Allez, en harmonie avec la régie, on va tout de suite vous donner le premier extrait musical. On écoute. Premier extrait musical donc de ce jeu. Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à... Qui chante cette chanson? Si vous avez la réponse, vous levez la main et je vous désigne. Alors Samuel, je vais te donner une mission. Samuel, c'est toi qui vas désigner la maman qui va répondre à la question. Donc, toi, tu désignes de ce côté. Tu vas regarder juste derrière toi. Et tu choisis une maman qui va répondre à la question. OK? Merci beaucoup pour l'extrait. Allez, choisis. Qui répond? On a trois mains levées. Tu préfères laquelle? Cette dame. Celle qui est à droite. D'accord. Allez, micro baladeur pour elle. Rapidement. C'est Samuel qui choisit. C'est lui le champion. Allez, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien, maman? Allez-y, vous allez, tenez-vous debout. Voilà, OK. Bonsoir. Bonsoir. C'est VDA. Vous pensez à VDA? Oui. Ce n'est pas la bonne réponse. Merci d'avoir essayé. Alors, Samuel, on donne la chance à qui d'autre? Juste à côté, bon. Allez, allez-y, vous avez le micro. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Bianier, c'est ouais, Sylvie. OK. C'est Kérosène. Kérosène, c'est une très bonne réponse. Et voici le cadeau pour vous. C'est un cadeau offert par notre partenaire Uniwax. Bravo. Deuxième question, mon cher Samuel, on se prépare. Voici l'extrait musical. Trouvez-nous l'auteur de cette chanson et vous repartez avec un cadeau du partenaire. Qui chante cette chanson? Il y a déjà des mains levées, Samuel. Tu regardes là? Non, on a déjà joué ici. On va jouer là. Choisis une maman. La dame en blanc. La dame en blanc, d'accord. Allez, micro pour elle. Juliana, oui. L'artiste, le groupe qui chante, c'est VDA. Le groupe VDA. VDA, oui. C'est une très bonne réponse. Cadeau pour vous. Eric. Voilà. Troisième extrait. Allons pour le troisième extrait. La première fois que tu as ouvert les yeux, à cet instant, tu exauces mon vœu. Le titre, c'est L'amour d'une mère. Te serrer contre moi et te... On va revenir là pour donner la chance à tout le monde. Avec toi, Samuel. Qui joue? La dame devant. Juste devant. Allez, micro donc pour elle. Faites descendre le micro, s'il vous plaît. On fait circuler. Qui chante cette chanson? Bonsoir à toi. Bonsoir. Mon nom est Madeleine. Madeleine. C'est Patience Gabani. Patience Gabani. Le titre, c'est L'amour d'une mère et c'est une bonne réponse. Merci. Cadeau pour elle. Toujours cadeau, Uniwax. Vous allez bien vous habiller, hein, voilà.
avec ses pagnes bien colorées. Allez, l'extrait suivant. Même tu es ma source de vie, pour te remercier, et son hommage, cette belle chanson. Le titre c'est Mère d'ici et d'ailleurs, qui est l'auteur de cette chanson. On va jouer juste en face. Samuel, c'est encore toi qui désigne. Tu es la star ce soir, tu le juge. La dame aux lunettes. La dame lunettes. Aux lunettes. Allez, elle est donc en rose, j'imagine. C'est elle en rose. Allez-y. C'est elle, la dame aux lunettes, non, là-bas L'autre, celle-là. Celle-là, ok, d'accord. Allez, micro pour elle. La dame aux lunettes s'appelle Madame Zogbe Françoise. Madame Zogbe Françoise. Guest Abby. Vous dites que c'est Guest Abby. Guest Abby. On peut l'applaudir. Cadeau pour elle. Extrait suivant. On joue en face. Samuel, qui désignes-tu pour répondre à cette question? La dame avec le foulard rouge. Est-ce que... Non, elle a déjà participé. Elle a déjà participé, Samuel. Ah bon? Ouais, elle a déjà participé. On choisit quelqu'un d'autre, elle a déjà participé. Ah. Ok, ouais. On est là, là. Okay. Ouais, toujours là. La dame en jaune. La dame en En jaune, ok. Micro pour elle. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Madame Ehouma Irène. Madame Ehouma L'artiste, c'est Yabongo. Et la chanson, c'est Maman, c'est une très bonne réponse. Cadeau pour vous. Toujours avec notre partenaire Uniwax qui vous gâte. Ce soir, vous aurez des pagnes, vous allez franchement profiter, kiffer de ce lendemain de célébration des mamans. Allez, envoyez-nous l'extrait. C'est de ce côté. Je n'ai plus de mots pour dire à maman que moi je l'aime. Oh. Ni moé, oh Asena. Je n'ai plus de mots pour dire à maman que moi je l'aime. Oh. Ni moé, oh Asena. Maman, oh Asena. Ni moé, oh Asena. Oh. Oh Asena. Ok, on a une maman qui a levé la main. Bon, là je prends le relais, hein, juste une minute, parce qu'elle a été la première à lever la main. Allez-y, la dame au foulard violet. Qu'est-ce que vous nous proposez? Bonsoir, vous êtes? C'est Madame Kourouma. Ok. C'est Petit Stéphano. Petit Stéphano, la chanson c'est Un mot à maman. C'est une excellente réponse. Cadeau pour elle. Ah, vous êtes forte, hein, chère maman. C'est bien. Allez, next. Toujours des chansons qui mettent les mamans en lumière. Et vous allez devoir nous dire qui chante. Il y a une dame qui a levé la main ici en bleu. Elle a été la première, j'ai bien remarqué. Avec le sourire, donnez-lui le micro. Moi, c'est Tuzier Lou Yvette. Lou Yvette, d'accord. C'est Adéba Kona. Adéba Konan, la chanson c'est Bonne fête maman et c'est une très bonne réponse. Cadeau pour elle. Cadeau. C'est bien, c'est bien. Allez, autre proposition musicale, toujours dans le cadre de ce jeu avec nos mamans. Je peux tout pardonner, même pour sauf le jour, je t'ai donné naissance, ça fait trop mal. Allez-y, en orange, madame. Lato Crespino. Vous dites que c'est Lato. Lato Crespino. Crespino, ouais. Vous vous présentez, vous êtes? C'est Madame Bey, PCA de Sokatsi. De Sokatsi. Et la réponse est excellente. Sur le titre, c'est Douleur maternelle. Douleur maternelle de Lato Crespino. Voici votre cadeau. Toujours grâce à Uniwax. Et offert par la direction générale de la RTI, bien sûr. Rendu possible par la direction générale de la RTI. Extrait suivant. Là, on joue maintenant avec... On joue sur les chansons exécutées par des mamans. Ça, c'est une maman... petit indice, c'est une maman de trois enfants, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, je laisse... C'est, oui, je laisse... Non, on a déjà joué ici. On fait comme ça, hein, gauche-droite, gauche-droite. Allez, mon frangin. À toi de choisir, mon champion. La dame bleu-rouge. La dame en bleu-rouge. Voilà, donnez-lui le micro. C'est vous, c'est Samuel qui choisit, il est innocent.
Je me présente. Moi, c'est Kobena Yakra Marie-Françoise. Ok. C'est Roselyne Nayo. Roselyne Layo. Layo, d'accord. Le titre, c'est Aouément Napier. Bravo. Cadeau pour elle. C'est pas compliqué ce soir. On vous fait gagner généreusement des cadeaux. Ok. Et pour finir, Samuel, on va jouer de ce côté. C'est toi, Lynn. C'est le dernier? Sur ce jeu, oui, ça va être le dernier, mais on en aura d'autres. Allez, mesdames, tenez-vous prêtes. Écoutez ça et dites-nous qui chante. C'est très facile. C'est une maman aussi. Je pense qu'elle a deux enfants, si je ne me trompe pas. Ouais. Extrait. Qui chante? Elle a été la première à lever la main, ouais, c'est vrai. Allez, le micro d'abord. Ah ouais, c'est elle la première. On peut couper la musique et écouter notre candidate. Voilà. Vous êtes madame? Dano Aya Sidoni. Dano Aya Sidoni, comme Sidoni la tigresse. Et vous nous répondez? C'est José. José Toulès, bravo. Très bonne réponse. Cadeau pour vous. Bye, Uniwax. Et ouais. On va enchaîner avec un autre jeu. Est-ce que vous êtes toujours chaudes, les mamans? Je vais vous sentir. Sentir votre effervescence. D'accord. Écoutez-moi bien, on va jouer à un jeu qui s'appelle... ça s'appelle une charade. Vous connaîtrez bien la charade, d'accord. La charade, c'est simple. Bon, français, facile. Je vais vous donner un exemple. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. À chaque fois, vous gardez la réponse en tête. Donc, quand je dis mon premier est la première lettre de l'alphabet, c'est... A, d'accord. Mon deuxième est un autre mot pour désigner un sourd-muet. Mon tout forme le nom d'une commune d'Abidjan. J'ai entendu la réponse. Abobo, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Abobo. Vous voyez que c'est simple, non? Voilà, très bien. Donc, mon deuxième est un autre mot pour parler dans sourd-muet ou désigner un sourd-muet, c'est Bobo. Voilà, donc ça fait Abobo. OK? D'accord. Vous êtes prêtes? On va maintenant jouer ensemble. Écoutez bien. On va jouer avec des plats que confectionnent les mamans à la maison. Donc, vous devez vous y connaître. Mon premier se dit de quelqu'un qui a perdu la tête. Mon deuxième signifie entier, complet. Mon tout forme le nom d'un plat pilé par maman. Non, mais si... vous avez déjà soufflé. Qui a soufflé la réponse? Qui a soufflé la réponse? Attendez, qui a soufflé la réponse? Qui a dit foutou? Allez. Non, mais parce que... Non, ne soufflez pas la réponse. Parce que si vous soufflez, on n'aura pas de vainqueur. Mais déjà, qui a dit foutou? J'ai entendu foutou. C'était qui? C'est elle? Venez prendre votre cadeau, on va l'applaudir. Voilà, elle va prendre son cadeau. Voilà, mais la prochaine fois, je donnerai pas de cadeau, OK? On peut l'applaudir bien fort. C'était ça, foutou. Ça, c'est juste exceptionnel, hein, voilà. Donc, mon premier se dit de quelqu'un qui a perdu la tête, c'est fou. Et puis, mon deuxième signifie entier, complet, donc tout, ça fait foutou. OK. Deuxième charade. Ah, il est beau, hein, ce plat de foutou. Aïe. C'est quoi ton plat préféré, Samuel, à la maison? C'est le foutou avec la sauce gombo. Le foutou avec la sauce? Gombo. Il y a le gombo sec et puis il y a le gombo frais. Qu'est-ce que tu aimes? Gombo frais. Ah là, c'est bien ça. D'accord, OK. Mon premier est le contraire de propre. Mon deuxième signifie ajouter en anglais. Ça, c'est pour les mamans qui parlent un peu anglais. Mon tout forme le nom d'un repas souvent servi en entrée ou le soir pour manger léger. Alors, désigne quelqu'un. Je vous ai dit de ne pas souffler. Samuel, désigne quelqu'un. Prends quelqu'un qui ne parle pas. Gardez les réponses pour vous-même. Samuel, tu choisis. Je ne parle pas. La dame. Vas-y, Samuel. Verte. La dame en vert. Au foulard vert. OK, d'accord. Allez-y, micro pour elle. Micro pour elle. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas souffler les réponses. Voilà. Allez-y, levez-vous, vous présentez, vous êtes. C'est Madame Cassie. Madame Cassie, d'accord. Donc. Salade. Salade. Donc, allez, mon premier est le contraire de propre. C'est quoi la réponse? Salade. Non. Mon premier, le contraire de propre, c'est sale. Et mon deuxième
signifie ajouter en anglais. C'est add, to add. Donc ça fait salade. Bravo, très bonne réponse, c'est cadeau pour elle. S'il vous plaît, maman, on ne souffle pas les réponses. Voilà. Mon premier est synonyme de copain. Chéri. Mon gars, mon copain, mon chéri, mon gars. OK? Mon deuxième est le contraire de... Mon deuxième est le contraire de haut. Oh. Mon tout forme le nom d'un plat très populaire en Côte d'Ivoire. Qui suis-je? Allez-y. Prenez le micro. Oui? Copé. Vous dites quoi? Copé. Copé. Non, ce n'est pas copé. Je reprends. Mon premier est synonyme de copain, chéri. Mon deuxième est le contraire de haut. Oh. Quand ce n'est pas haut, oh, c'est comment? Donc, mon tout forme le nom d'un plat très populaire en Côte d'Ivoire. Allez-y. Prenez, donnez le micro à la dame à côté. Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur. Oui, votre réponse? Moi, c'est Essie, madame Essie, Abraham Odette. C'est Garba. Garba, excellente réponse. Bon, premier synonyme de copain, chéri, c'est Gar. Mon deuxième est le contraire de haut, donc c'est bas en tout. Donc ça fait Garba, bravo. Allez. Si vous soufflez les réponses, on ne va pas s'en sortir. Hein. Uh-huh. Allez. Mon premier est la lettre qui suit dans l'alphabet, la lettre qui suit J. Mon deuxième est un engin qui permet de se déplacer en mer. Mon tout forme le nom d'un repas fait à base de pâte de maïs. Qui suis-je? Allez, on va jouer avec la maman en jaune. Micro, prenez le micro. Vous nous proposez? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Madame Kwame. OK. Kabato. Vous me proposez le Kabato. Donc, mon premier est la lettre qui, dans l'alphabet, suit J, c'est K. Mon deuxième est un engin qui permet de se déplacer en mer. Bateau. Kabato. Très bonne réponse. Et cadeau pour vous. Cédric, voilà. Charade suivante. Mon premier est le mot qu'on dit tous lorsqu'on décroche le téléphone. Mon deuxième, est-ce qu'il arrive à un boxeur qui tombe et perd connaissance en plein combat? Mon tout forme le nom d'un plat populaire en Côte d'Ivoire. Qui suis-je? Vous avez levé la main. Allez-y, prenez le micro. Moi, c'est Yao Akua. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Yao Akua Mirène. OK. Le plat préféré en Côte d'Ivoire, c'est plat carré. Ça, c'est votre plat préféré. Moi, je cherche le plat de la réponse ici. Uh-huh. Mon premier est le mot qu'on dit tous lorsqu'on décroche le téléphone. Uh-huh. Mon deuxième, est-ce qu'il arrive à un boxeur qui tombe et perd... Enfin, il peut perdre connaissance ou pas, hein, mais qui tombe et en plein match de boxe. Et... Allez-y. Qui tombe et qui est sonné en plein match de boxe. Passez le micro à la dame juste à côté de vous. Oui. Vous avez la réponse? La banane. Non, ce n'est pas la banane. Passez le micro à la femme juste à côté de vous. Derrière. Ah oui, 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 derrière. Allez-y. Danon. Danon Agathe. Oui, Agathe. La réponse, c'est... Vous n'avez pas la réponse. Passez le micro à la dame en bleu, rapidement. Voilà. Allez-y. Je m'appelle Loukou Monique. Oui. C'est Aloko. Aloko, très bonne réponse. Cadeau pour vous aussi. Allez, mon premier est la maladie des dents. Écoutez bien. Mon deuxième est une boisson préparée à partir d'une infusion de feuilles. Mon tout forme le nom d'un produit que les mamans utilisent pour entretenir leur peau. Qui suis-je? Je répète. Mon premier est la maladie des dents. Mon deuxième est une boisson préparée à partir d'une infusion de feuilles. Mon tout forme le nom d'un produit que les mamans utilisent pour entretenir leur peau. Allez-y. Allez-y, oui, allez-y. Okay. Passez-lui le micro. Ah, mais c'est ça là qu'on interroge. Passez-lui le micro, oui, allez-y. Oui. Le produit que la maman prend pour utiliser le peau, c'est baie de karité. C'est une excellente réponse. Donc, mon premier... Et la maladie des dents, c'est la carie.
Et mon deuxième est une boisson préparée à partir d'une infusion de feuilles. C'est le thé, donc ça fait curry, thé. Voilà. Venez, venez, prenez son cadeau. Oui. Cadeau pour elle, toujours offert par Uniwax. Bravo. Écoutez très bien. Mon premier sort du sein maternel pour nourrir le bébé. Mon deuxième est un lit africain sur lequel on peut aussi faire des prières à la mosquée. Mon tout forme le nom d'une coiffure. Allez-y, micro pour vous. Donnez-lui le micro, on va terminer avec ça. Bonsoir, c'est Madame Kiriwa Charlotte. Oui. Et Makoussi. C'est Makoussi. Non, c'est pas Makoussi. D'accord, mon... Vous changer de... D'accord, allez, oui. Passez... Non, vous avez déjà participé, maman. Oui. Donnez la chance à quelqu'un d'autre. Oui, passez le micro à la dame qui lève le doigt là-bas. On va finir avec elle. OK, allez-y. Donc, je répète, mon premier sort du sein maternel pour nourrir le bébé, pour allaiter le bébé. Mon deuxième est un lit africain et qui est aussi utilisé pour les prières à la mosquée. Mon tout forme le nom d'une coiffure. D'accord. Moi, je suis Yebobo Soulange. Oui. Voilà, c'est la Nat. Nat. Et Nat, bravo, Nat. On peut l'applaudir bien fort. Cadeau pour elle. Donc, lait pour, voilà, qui allaite le bébé. Et puis, Nat, effectivement, qui est un lit de chez nous et qui permet aussi de faire la prière. Voilà, on va terminer donc cette émission. Samuel, est-ce que tu as un message à adresser à tous les Ivoiriens qui te suivent avant de terminer? Je vous remercie pour tous les mots et les messages de soutien et d'encouragement. Et pour cette victoire que je dédie au président de la République et à chacun d'entre vous. Merci beaucoup, mon cher Samuel. On t'applaudit bien fort. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités en plateau. Merci. Chère maman, ce n'est pas terminé. On a encore des cadeaux pour chacune d'entre vous. Donc, on va faire une distribution juste à la fin de l'émission. On va terminer dans la bonne ambiance, dans la danse et la joie. Et puis après, la distribution, bien sûr, en studio. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et on est ici tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h15, sur RTI1, pour célébrer l'excellence, pour parler d'actualité, pour recevoir tous ceux qui créent l'événement. Et d'ailleurs, il fait partie aussi de cela. Anaconda qui vient de sortir une chanson pour célébrer les mamans. Le titre, c'est Enfant béni. Anaconda 512 sur le plateau d'allumer la télé. Et on va tous se tenir debout pour faire la fête avec lui, chère maman. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Et à demain, 18h15. Prison va te dégoûter, la galère va te chicoter, et puis tu seras seul.